Bonjour, je m'appelle Lamine, je suis DevOps, Dev Java. J'ai rejoint Josa depuis octobre 2017 et ça fait 10 ans que je travaille. Donc j'ai travaillé dans des structures de différentes tailles et j'ai rejoint Josa pour la structure de taille humaine. Les outils et technologies utilisés aujourd'hui sont côté stack dev, c'est du Java. Avec comme IDE, on a IntelliJ. Ensuite, on est sur le CI/CD, on a du GitLab. Au niveau des bases de données, on a du PostgreSQL, du MariaDB. Au niveau de la communication, on est plutôt sur de l'agile, donc c'est plutôt par Slack, par mail. Les challenges techniques aujourd'hui sont la modernisation du SI avec la mise en place, en fait, on reprend tout ce qui est authentification en passant par KeyClock. On met en place aussi du RabbitMQ et derrière, c'est toutes les contraintes de prod et de haute dispo qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, les cycles de développement, disons que c'est en fonction des projets. Après, on est vraiment inspiré de l'agile. Donc, en fonction des projets, on a des daily, on a d'autres sur lesquels c'est des weekly. Et l'objectif principal, c'est Most Valuable Product First. Sur les projets open source, je suis pas mal actif parce que je participe pas mal sur les mailing lists de certains projets, notamment KeyClock, InfiniSpan. Après, j'utilise beaucoup de produits open source et au sein de Josa, en fait, au niveau des POSA, on échange pas mal sur pas mal de projets open source.